justice. بدات العجائب. قطر فاوي تداوى نشفت والحالة خلاف هات الماشينة طلعها حبست لمعي شغلات انا ولا الدنيا اللي بيا يبسط ترمي عليا غير لفتات باركات ما على باليش بيها ولا حست عندي وحدة وخاطيني البنات العين تبعت للمخ وشافت ويدي ترسمها كلمات بلاد مليون ونص شهيد والناس اللي ماتت والماشينة كولات ايا نحكي وقع الهضرة اللي غابت ياك الديمقراطية ماشي بريكولات ولا انتم القوم مساكت احنا عميروش وعلي لابوان احنا لا جنس اللي عاشت الرئيس بن طلحة والدمعة اللي جرت احنا المصغر اللي راح ضحية الرشوة والتشيبات كيفاش تحبني ساكت قلبك حل عليهم يوم الممات ما نتزعزع عن الريح تابت نعرف تخلص عليا بربات دخل وي كونتر لانجستيس للممات باركات Cette manifestation, c'est pour demander audience au ministre de la Justice. Comme ils ne répondent pas, c'est pour ça qu'on a décidé de manifester. Parce que les familles écrivent à chaque fois, au moins deux fois par an, à toutes les institutions algériennes. Ils leur écrivent des requêtes et malgré ça, il n'y a pas de réponse. On sait qu'ils reçoivent les lettres parce qu'il y a le récépissé rouge là qui revient par le facteur. Et on sait qu'ils ont tenu le courrier. Mais malgré ça, c'est vraiment une bêtise totale. Ils ne répondent pas, ni rien du tout. Les familles veulent la vérité sur le sort de leurs enfants et de leurs maris. Ces familles, ils ont le droit de savoir ce qui se passe. Quand même, on est des Algériens. S'ils sont morts vraiment, qu'ils font l'ADN, qu'ils nous donnent les os. S'ils sont vivants, qu'ils le relâchent. Les familles veulent savoir la vérité. Parce qu'il y a des familles qui sont mortes, ils n'ont pas vu leurs enfants. Ils sont morts avec le chagrin de leurs enfants. Jusqu'à quand ça va durer, ça? Jusqu'à quand? On en a marre. C'est vraiment l'enfer. On est malade avec ça. Chaque année, des dizaines de milliers de personnes disparaissent dans le monde, victimes de purges d'État et de régimes totalitaires. Pour les familles, l'incertitude quant au sort de leurs proches constitue une souffrance intolérable. Lutter contre les disparitions forcées, c'est lutter contre l'impunité du temps qui passe. Il est donc crucial que la communauté internationale reste mobilisée dans la lutte contre cette pratique inhumaine. Des femmes et des hommes militent à travers le monde pour rétablir la vérité et instaurer une justice équitable. Ces militants s'expriment aujourd'hui au micro de Radio Des Sans Voix. La voix des sans-voix. À l'occasion de la journée internationale contre les disparitions forcées, Radio des sans-voix reçoit aujourd'hui mademoiselle Africa Correa Moreno. Enchantée. Africa, la première question que je voulais vous poser, c'est votre rencontre avec la cause des disparitions forcées. Ça s'est passé comment? Dans quel cadre? Une jeune femme d'origine espagnole? C'est ça. C'est bien cela? Qui s'intéresse à la cause et particulièrement aux disparitions forcées en Espagne. Alors, c'est une longue histoire qui date depuis 2019, parce que c'est vraiment un cas très très méconnu en Espagne. Donc, je me suis renseignée juste par des documentaires qui étaient réalisés par des réalisateurs non espagnols. Et j'ai commencé à voir l'existence de cette association, l'Association pour la récupération des monuments historiques. Je les ai rencontrés comme ça, je suis allée leur rendre visite carrément. Et depuis ça, je pense que je tombais très bien parce que je suis à Paris, je fais mes études à Paris. Et donc, dès qu'il faut faire peut-être des travaux pour trouver des archives historiques à l'OFPRA ou pour retrouver des personnes qui ont été exilées en France,
puisque l'association à la base elle est basée en Espagne, bah, de temps en temps on me contacte pour faire ces petits travaux et au fil de mes recherches aussi personnelles, j'ai été amenée à être confrontée à toutes ces disparitions forcées qui sont des choses communes pour les cas espagnols. On est le deuxième pays en Europe déjà avec le plus de fosses communes au monde. Deuxième pays européen. Le premier étant Je ne connais pas le premier, je veux dire, peut-être pour le monde, le premier c'est la Cambodge, ça c'est sûr. Mm-hmm. Le deuxième, c'est l'Espagne. D'accord. Et c'est très très méconnu. Effectivement, c'est très méconnu de par l'histoire espagnole et ses liens, on va dire, complexes avec le reste des pays européens, l'histoire de la Deuxième République espagnole. Et est-ce que vous pouvez nous dire où on est l'association aujourd'hui dans ses démarches avec l'État espagnol? Quelles sont les avancées qu'elle a pu obtenir? Quel lien a l'association avec la FEMED, la Fédération Euro-Méditerranéenne, pour les disparitions forcées? Alors, personnellement, je ne suis pas du tout représentante de l'association. Oui. Je suis au courant là où je me renseigne. Je reste juste en contact avec les volontaires de l'association, bien sûr. Et à ma connaissance, ils continuent à faire les travaux qu'ils font toujours, d'estimation, de prospection, tout ce travail administratif aussi, des recherches et auprès des victimes. Et ils font cela sans cesse. Donc, quoi que soit le contexte politique, donc là par exemple, on a un gouvernement socialiste, donc il devrait être assez prompt, normal, pour ces questions. Et quoi qu'il en soit, le contexte, ils continuent. Très bien, on les a vus très présents à la Journée internationale des disparitions forcées. Vous en avez pensé quoi, des échanges, des débats? C'était vraiment très intéressant, enfin, à mon avis, de entendre aussi d'autres témoignages qui viennent d'autres pays, qui, avec des causes que je trouve sont encore plus méconnues que celles de l'Espagne. Et ça a été aussi très très intéressant, notamment dans l'événement d'hier, de voir quand on a parlé aussi sur cette petite tension entre les travaux des ONG et des associations menées par des personnes civiles comme vous, comme moi, comme peu importe. Et voir qu'il y avait des petites tensions qui allaient monter dans le rôle qu'on a tous à jouer dans les mobilisations. Et puis même une question qu'on m'a posée tout à l'heure vis-à-vis du rôle des jeunes dans ces mobilisations pour faire découvrir la mémoire et pour non seulement la faire découvrir, mais sensibiliser toute une société à ces questions, parce que ce sont des processus très très longs. Donc j'ai trouvé que c'était une belle cohésion qu'on avait malgré toute la diversité des causes et de toutes les spécificités. De chaque région, chaque pays, chaque crime, chaque problème, parce que voilà, on fait tous face au problème universel des disparitions forcées, mais chacun ses spécificités aussi, et c'était très très un moment très très enrichissant, je trouve, de voir comment tout le monde s'écoute et tout le monde est là pour s'épauler finalement. En fait, j'ai posé la même question mercredi quand j'ai entendu Amy Duo parler. Et je lui ai posé la question, quel était le lien avec l'Argentine? Je sais qu'il y a des liens très fraternels, des liens de culture, tout ça c'est clair. Mais je suis restée sur ma faim. Donc, et le bureau de traduction qui faisait la traduction, quoi, m'a envoyé plein de messages dans la nuit où elle-même était intriguée, tu sais, donc par curiosité, ce qu'elle m'a dit. Donc elle a fait des recherches et elle m'a envoyé des articles du Monde, de TV5 et tout ça, qui disaient qu'il y a une juge, des victimes espagnoles qui ont été en Argentine, elles ont saisi la justice argentine dans le cadre de la compétence universelle. Et cette juge-là a instruit l'affaire et il y a d'autres victimes qui sont venues parce qu'elle n'a pas pu aller en Espagne, je ne me rappelle plus, j'ai les articles là, et elle a pu poursuivre des criminels de guerre de l'espagnol dans le cadre de la compétence universelle. Et si je ne me trompe pas, ils ont été extradés et étant emprisonnés. Voilà. Par contre, j'ai une question aussi auquel je n'ai pas eu de réponse. Non, c'est une question qui m'intrigue et je ne sais pas très... J'ai pas été... Comment est-ce que, vu la dictature de l'Espagne et l'amnistie et tout ça qu'ils ont imposé, je voudrais savoir comment est-ce que vous avez réussi à convaincre la justice d'exhumer les fosses communes. Très bien. Bien, merci beaucoup pour votre contribution et puis on espère vous voir l'année prochaine. Oui, j'y serai. Injustice. Bilat l'adja
عطر فاويد تداوي نشفت والحالة خلاف هات الماشينة طلع حبست نعيش أغلاف أنا ولا الدنيا اللي بيا يبسط ترمي عليا غلف ذات باركات مع لباليش بيها ولا حست عندي وحدة وخاطيني البنات العين تبعت للمخ وشافت ويدي ترسمها كلمات بلد مليون ونص شهيد والناس اللي ماتت والماشينة كولات ايا نحكي وقع الهضرة اللي غابت يا كالديمقراطية ماشي بريكولات ولا انتم القوم مساكت احنا عم يروش وعلي لابوان احنا لا جنس اللي عاشت الرئيس بن طلحة والدمعة اللي جرت احنا المساغر اللي راحت ضحية الرشوة والجيبات كيفاش تحبني ساكت قلبك حل عليهم يوم الممت من تزعزعن ريح ثابت نعرف تخلص علي يا برباد دخل ويقنطر لانجستيس للممات باركات.